Réseau national des missions emploi, acteurs de l'emploi sur l'ensemble du territoire, présente Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Direction le domaine de Pyrennes dans les Pyrénées-Atlantiques. Bonjour Francis Pousse. Francis Pontus, pardon. Francis Pontus, bonjour à tous. Bonjour Francis Pontus, directeur de ce domaine de Pyrennes à Cotterêts dans les Hautes-Pyrénées. C'est plutôt un joli cadre de travail. Hein. Tout à fait. En pleine nature, aux portes du parc national, station de ski, station thermale. Alors quels sont vos besoins en recrutement, Francis Pontus ? Eh bien, chaque saison, chaque année, hein, nous recrutons une équipe pluridisciplinaire, on va dire. Hein, on passe par les cuisiniers, hein, chef, second ou plongeur, par exemple. Également au service, à l'entretien, au ménage, à l'accueil. C'est plus d'une dizaine de saisonniers et même des CDI, hein, dans ce que je viens de vous citer. Alors concernant les saisonniers, en tout cas, il y a une question stratégique, forcément, c'est celle du logement. Alors nous investissons depuis maintenant plus de 15 ans, hein, puisque le problème n'est pas nouveau, dans le logement de nos saisonniers. Nous avons tout d'abord acheté un petit immeuble avec 5 appartements que nous avons transformés en 10 studios. Et là, tout dernièrement, 4 nouveaux studios pour accueillir dès cet hiver notre équipe. Oui, parce qu'on parle de saisonniers, on parle de saison. Bon, il n'y a pas que l'été, hein. Vous en avez deux finalement, des saisons stratégiques. C'est ça. À la montagne, on travaille été comme hiver. Et comme en plus nous sommes une station de moyenne altitude, nous on enchaîne quasiment les deux saisons. On finit fin avril pour le ski et on attaque l'été début mi-mai. Alors les saisonniers, ce sont donc par exemple les animateurs pour les enfants. C'est quoi vos exigences concernant ces animateurs ? Alors notre club enfant, nous, est déclaré auprès de Jeunesse et Sport, donc nous demandons le BAFA, une expérience de préférence dans ce type de structure, hein, et puis surtout de l'envie, hein, des savoir-être, c'est ce qui est aujourd'hui le plus important. Eh bien merci beaucoup Francis Pontus, directeur de ce domaine de Pyrennes à Cotterêts dans les Hautes-Pyrénées. Merci beaucoup de nous avoir parlé de vos besoins, notamment en saisonnier, mais pas que, on l'a bien compris. Merci beaucoup Francis Pontus. Allez, Sud Radio, 6h22. Sud Radio, coup de main pour l'emploi. Vous a été présenté par le Réseau National des Missions Emploi, acteur de l'emploi sur l'ensemble du territoire.